Salut les viewers, c'est Marcus Bonus et bienvenue dans la Playroom pour ce nouvel épisode d'Astronir. Comme promis, je remonte avec l'objet que nous avons récupéré dans l'épisode précédent. Bref, voilà, heureusement que je dis que ces épisodes doivent être calmes. Et nous l'ouvrons ensemble pour voir un petit peu ce qu'il y a dedans, en espérant que ce soit une découverte. Parfait. La grande navette, un petit peu de chance. Je crois qu'il me reste plus que la grande navette à découvrir, j'avais qu'une chance sur deux. Quel dommage. Question à 1 million de dollars. Ok. J'en lâche une, imaginons. J'en mets une deuxième ici. Voilà, comme ça j'ai une batterie supplémentaire. Même si je préférerais peut-être avoir un petit peu plus d'oxygène. Cela n'est pas grave. Ici, je peux mettre du titane, j'en ai rien. Naciré, j'en ai plein les poches. Ok, lithium. Aluminium si tu veux. Par la façon que je commence à gérer un peu mieux mon stockage. Ça, c'est bon. Ici, au niveau de notre... Par contre, j'ai pas d'air, quoi, là, en ce moment. Si, ça se mettrait très bien à tourner, non? Hop, voilà. Faut que j'ajoute des bonbonnes. Des bonbonnes qu'il faut que je vide. Bon, bah, heureusement que j'ai des bonbonnes en trop. Enfin, en trop, tout est relatif. Pas mettre vider celle-ci en tout cas, ce qui n'est pas trop mal. Vous voyez que j'avais quand même fait large en termes de... voilà. Bon, je pensais pas que j'aurais besoin de plus de bonbonnes. Allez, vas-y, fais péter. Ouh, je crois qu'il y aurait des flammes qui sortiraient par le haut. Et ça se remplit de violet forcément pour dire que c'est bien de l'hydrazine. Ok, logique. Ça me va. Le petit bruit de cuisson, par contre, à la fin, c'était pas obligatoire. Ça m'a bien niqué l'oreille. Ce n'est pas grave. Bon, du coup... Oh oui, d'accord, il m'a mis les deux premières, je viens de comprendre. Je les voyais pas, les autres. En bon aveugle que je suis. Oui, par contre, tu veux bien te poser, merci. Voilà. J'ai pas vu, je marche littéralement sur de l'oxygène, c'est cool. J'aurais pu en mettre une troisième aussi, au passage, mais ce n'est pas grave. Je vais mettre celle-là pour le moment, ça va très bien me suffire. Ok. Donc on n'a pas eu la chance que j'espérais pour tomber sur sur la navette, la grande navette. Parce que là on a que la petite navette qui est vraiment ridicule. Qui nous servira peut-être par la suite. Hein. Mais pas pour le moment en tout cas. Pourquoi aussi je vais modifier certaines choses au niveau de la base? Bah, simplement parce que vous le savez, j'espère toujours être en mesure de séparer, si je puis dire. Et bien tout simplement... la zone d'atterrissage et l'endroit où je mets le véhicule. Puisque vous le savez, ça prend toujours une place. Donc du coup, je pense que je vais la mettre ici. En extrémité. Voilà. Ok, des véhicules. Il me faut deux d'aluminium. L'aluminium, je dois l'avoir. Hein, puisque je voulais le prendre et l'utiliser pour... Ça, c'est du cuivre. Pour. Des éoliennes, effectivement. Merci de m'avoir fait penser, les amis. Comme toujours, vous êtes là. Du coup, la batterie, elle est très très bien à sa place. Où est-ce que j'ai foutu cet aluminium? Aluminium 1. Aluminium... Ça, c'était pas l'aluminium 2. Aluminium 2. Ok, on est bon. Hop. Allez, hop. Et on est bon. Quel est véhicule? Nous avons donc de quoi construire un endroit pour construire notre navette. Ça, c'est parfait. Voilà, je déplace un petit peu la chose. Je reçois des... J'entends mon téléphone. Ah oui, d'accord, il est loin, mais c'est pas grave. Ok, on est qu'à 3 minutes d'épisode, disons. On a fait plein de choses en 3 minutes. Ou alors rien du tout, ça dépend, hein, mais. Ok, cool. Cool. Bien. Est-ce que ça vaudrait pas le coup de retourner dans la cave et voir si on trouve pas autre chose? Est-ce que ça vaudrait pas le coup d'aller visiter pour trouver des autres pièces de vaisseau quelque part aussi? Allez, c'est parti, on y va. On fait ça. On trouvera bien du composite pas trop loin de nous pour continuer à faire des balises. Le cas où on aurait besoin. Ouais, c'est parti. Bon, après, est-ce qu'il va y avoir autant de. Oui, il va y avoir sans doute autant. Je cherche. Oh bah voilà, oui, comme quoi. Comme quoi. Il suffit d'en parler parfois. Et hop, les bonnes choses arrivent. On a de la chance. Voilà, et le soleil qui arrive pile au bon moment. Génial, on a du bol. Bon, par contre, ça, c'est souvent un des trucs où on n'a rien autour.
Ça m'arrive de me tromper, bien sûr, hein, mais... Non. Non plus. Comment tu tiens? Sans doute par le bout de truc qui... Même pas. Étrange. Bazar bizarre, et je dis bizarre comme c'est bizarre. Alors par contre, je ne vois rien autour qui puisse nous être utile, malheureusement pour nous. Donc c'est encore une fois pas trop ce qu'on cherche. Alors j'ai pas encore trouvé trop de techniques pour construire des... de bons escaliers à part celle que je vous ai déjà montrée. Ça viendra peut-être, hein. C'est pas la technique la plus efficace en tout cas, je trouve. Sinon, qu'est-ce qu'on a là-dedans? Du lithium, ça c'est une très très bonne nouvelle. Ça, c'est de l'aluminium, comme j'ai envie d'utiliser, c'est une bonne nouvelle tout autant. Mon avis qui glouglotte, ce n'est pas une bonne nouvelle. Ça c'est de l'organique, ça ne m'intéresse donc pas du tout. Et ça, c'est du cuivre. Non, de l'aluminium aussi. De l'aluminium, de l'aluminium. Cool! Cool, cool, cool. J'entends le bruit d'une tempête au loin, c'est assez intriguant. Mais bon, ce n'est pas grave. Hop. Des fois, je me pose ces questions. Voilà, hop. Et nous sommes repartis. On ne voit plus. Si, on le voit, mais alors c'est ric-rac, hein. Je vais la mettre ici. Pardon, balise. Ouah. Voilà. Ça, je veux bien que ça revienne dans mon... Oui. Inventaire, voilà. Balise, hop. On est bon. Crac, et on continue. On va passer par là, histoire de suivre un petit peu toutes nos balises. Sauf s'il y a un trou gigantesque et béant, excusez-moi. Comme par exemple ici, hein. Bien sûr, sauf s'il y a encore quelque chose de l'autre côté, mais j'en doute. Que nous puissions voir de là. Ok, bon bah demi-tour. On va passer par là finalement. Faisons bien attention, hein, on pourra peut-être louper des choses au passage sans faire trop attention. Donc restons vigilants. J'aime pas ce genre d'endroit, vous voyez, où ça passe comme ça. Et... Parce que c'est un coup à perdre de vue nos balises. Wouah! Bah mettez-vous tous d'accord, hein, si c'est un cul-de-sac, mettez un panneau, quoi. Bon, c'est bleu. Oh putain! Là-bas, il y a quelque chose. Là-bas, il y a quelque chose. On va se faire chier à créer un pont. On va se faire chier à créer un pont. On a une montagne juste à côté, c'est bon, on se fait pas chier. On en crée, hein. Forcément. Ouais. Quelque chose me dit que je vais me faire du mal à créer ce pont. Ah. Allons-y. Advienne que pourra. Et je suis à court de cailloux. Voilà. Merci. Finalement, peut-être que si j'avais eu le truc, j'aurais pu remplir mes trucs plus rapidement, sans doute. Allez, cailloux, tombe. Voilà. J'aurais été assassiné parce que... Pas encore fini. J'aurais été assassiné par ce caillou que je l'aurais mal pris. Enfin bon. Là n'est pas la question. Creusons un peu. Creusons.
presque. Parfait. Ok. Ah. Voilà, on va faire ça comme ça. Et maintenant qu'on a un petit peu... On va essayer de tester notre pont, si je puis dire. Simplement de cette manière. C'est-à-dire en roulant dessus. Je rêve où ça monte. Pas encore gâché une seule bonbonne, donc ça va. Enfin, fini une seule bonbonne. Donc pour l'instant, on est un peu large. Fallait mieux être large que trop court, je pense. Là, on en a fini une. Ce qui, je l'admets, m'emmerde un petit peu. Mais bon, ça me permet de sécuriser un petit peu et d'élargir notre bordel. Wouhou ! On y va ! On est plus ou moins bon, je suppose. Oui, ça passe. Tu te moques de moi ! Tu te moques de moi ! Bon, sur celui-là, peut-être que je peux... Ah non, même pas. Et je suis vide. Il me reste 3 mètres à faire et je suis vide. Et je suis de travers aussi. On verra bien si ça tient. Tant pis, je vais être joueur sur ce coup-là. Je vais être joueur sur ce coup-là. On va voir si c'est... C'est une bonne chose ou pas. Je vais être tellement joueur que je vais estimer que une bonbonne devrait être suffisante, largement. J'aime pas quand j'estime les choses comme ça souvent. Enfin, dans les jeux vidéo, souvent je me plante. Dans la vraie vie, je me plante rarement quand j'estime. C'est assez rigolo d'ailleurs de voir que je me plante. Parce que du coup, je suis obligé d'aller à contre-pied quand je joue. Enfin bon, c'est une autre histoire. Ah oui, je vous ai déjà parlé du même que quand je vais creuser là, vous voyez, j'enlève de la matière, par l'inverse. Enfin, je... Même en creusant, je rajoute de la matière plutôt, justement. Ne nous plantons pas. Ok, je devrais être bon. Je devrais être bon. On y va en douceur.
C'est bon, c'est parfait. C'est parfait, ça va être le chemin retour qui va être rigolo à faire. Ok. J'ai mis quoi? J'ai mis 10 minutes pour faire ça? Génial. Bon, c'est pas que des mauvaises nouvelles, j'espère, en tout cas. Et... Et bah si. Je m'attendais à un truc différent. Et quand on n'a pas de bol, on n'a pas de bol. Bon, génial. Ça, ça va être le truc classique. Pardon, est-ce que tu peux éviter de me faire chier avec la caméra? Non, bon bah tant pis. On va ramener ça déjà. Même si on sait pertinemment qu'on les a tous finis. Vu que ça doit être en fait l'organique. Je crois qu'en fait il n'y a plus que quelques catégories maintenant. C'est l'organique. Le mécanique. T'es sérieux? Attendez, c'est quoi? Ça ressemble à un bout de vaisseau ou ça ressemble à un caillou? Ça y est, je suis en train de me perdre moi maintenant, ça ne va plus. Parce que déjà que ça c'est une belle déception. Et là vous allez me dire, mais non, regarde Marcus, là, il y en avait un truc. Bah je vais faire, quoi? C'est un caillou. On va continuer par là, c'est pas grave. Ok. La verte plaine. On va l'appeler la verte plaine, cet endroit. Plaine, plaine de trous, hein, surtout, hein, autant le dire, hein, faut... Je suis immobilisé par un caillou, semble-t-il. Allez! Eh ben non! Je suis immobilisé. Alors, je peux monter la colline, mais je peux pas monter un caillou. C'est la tristesse. Bon, cherchons d'autres constructions, débris. En tout cas, c'est joli dans le coin. C'est excessivement joli. Ouah, c'est un bug, il y a une plante dans un arbre, je crois. Des trous à la Marcus par là. Hop! Un instant! Est-ce qu'on peut refaire une... Non, pas une bonbonne. Une balise. Non, on ne peut pas. Porqué. Porqué, il ne peut pas. Ah oui, putain, c'est vrai, j'avais oublié ce principe. Je sais que j'en ai, c'est pour ça que je tilte. Hop là. Roule ma poule. En plus, il y en avait juste devant, au cas où. Ça va être un bordel pour rentrer à la maison avec le camion. Je vous raconte pas. Parce que forcément, il va falloir que je rentre avec le camion. Je vois pas comment il pourrait en être autrement. Et il va s'amuser à faire nuit, pour principe. Histoire de bien m'achever un petit dernier coup avant la fin de l'épisode. C'est génial. C'est absolument génial. Parce que bien sûr, les débris, on les trouvera plus souvent sous terre, j'imagine, à tous les coups. Logique. Que sur terre. Tout à fait logique. De la résine. Bah c'est bon, je peux faire mon... à refaire ma vie ici, en fait. Oh cool. Ok. Rien du tout à l'horizon. Rien du tout et je pompe mes batteries à me diriger vers rien du tout. Si à part vers une crevasse, effectivement, c'est génial. Hashtag, quand tu prends la mauvaise direction, le jeu te le dit bien. Tu t'es planté, Marc. Ah bon. Pas de soucis. Pas de soucis. Bon, bah... Mmh.
En plus, je sais pas si quand je sauvegarde dans le camion, je sais pas, je crois que j'ai déjà dit, hein, mais j'y pense depuis tout à l'heure en fait. Est-ce que quand je sauvegarde dans le camion, je repop dans le camion ou est-ce que ça me renvoie à la base quand je me... c'est là toute la blague. C'est là tout l'humour hein, du jeu. C'est que je ne sais plus. Mais d'accord, il y a un trait là-bas. Tu vas quand même pas me dire que c'est la base. Ça ressemble véritablement à l'endroit d'où je suis parti. Oh putain. Bon bah, ça résout un problème déjà. Faut le dire, ça résout un problème. On est plus proche de la base que qu'on croyait. Bon. Et pourquoi pas, comme dirait notre président. Enfin bon, le problème reste le même. Oh. Oh. Oh, on a vu quelque chose. Oh, on a vu quelque chose. Et ça va être encore un de ces trous où il n'y a rien dedans. Du coup. Même potentiellement un des trous dans lequel j'ai déjà été... Ah non. Ça ne me parle pas. Mais ça va être un de ces trous où il n'y a rien dedans, effectivement. Sauf s'il y a quelque chose accroché à ce truc-là. Non, juste ici, Marcus. Ouvre les yeux, mon Dieu. Alléluia. Et la base est juste à côté. Enfin, presque. Allez Marcus, dans la bonne direction, c'est encore mieux. Voilà, on évite le trou, qui semble être un trou que tu avais déjà fait toi-même, Marcus. C'est étrange. Cette zone me turlupine, effectivement, c'est le mot. Allez. Ok, on est parti, c'est bon. J'aurais pu récupérer l'hydrazine aussi au passage. Tant pis. Ah oui, c'est juste à côté de là où j'ai... En fait, c'est à quelques mètres... Ah non. Je vous fais le coup de la panne. Mais non, mais non, mais non, mais non. Le soleil se lève sur la planète de Marcus. Non? J'aurais tenté. J'aurais tenté. Comme on ne t'a jamais tenté. Heureux, chers amis, du coup, on devrait être bon. On devrait être pas si mal. Oh, puis en plus, c'est du lisse. Ah, j'ai dit ça, va y avoir des cailloux. Tous les coups. Ça va. Hop les. Hop, puis on arrive pile devant la recherche. Si ça, c'est pas épique. Ah. Allez, tu mérites ta batterie. Allez, vendu. Allez, fais-toi plaisir. Pompe de l'énergie, y a pas de souci. Allez, on tente par le... Même par le truc, allez, soyons fous. On tente par le truc qu'on sait que ça va être inutile. On commence par le truc, pardon, on sait que ça va être inutile. Oh bah mince. Et par le truc qui va être super méga utile. Allez, vas-y, fais péter. Méga navette de la mort qui tue. Eh ben écoutez, c'était Marcus Bonus dans la Playroom. A plus pour d'autres aventures. Salut les gens et yo.